Bonjour et bienvenue sur Viguier Généalogie. Aujourd'hui, selfie numéro 3, Calvi, une beauté dans l'île. Avec sa citadelle et ses plages de sable fin, sans oublier ses petites ruelles et son dynamisme estival, Calvi est une ville d'exception, mais elle nous offre également un riche historique que je vais vous raconter. La baie de Calvi fut occupée dès le néolithique. Elle deviendra une place forte du commerce maritime avec la domination de l'Empire romain. En 1161, Calvi est sous domination de Gênes. Dans les siècles qui suivirent, de nombreux conflits mettront à mal cette domination, mais Calvi y restera toujours fidèle. Pour graver dans le marbre cette constance, les Génois attribueront à Calvi la devise « Civitas Calvi Semper Fidelis ». Au milieu du XIIIe siècle, les Calvés subirent de nombreux sièges et massacres dans la population. Ils demandèrent à Gênes de garantir leur défense. Ces derniers débutèrent ainsi la construction de la citadelle. La citadelle est l'emblème de sa cité, que ce soit par sa beauté ou par sa stature très imposante. Elle abrite la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui fut élevée en 1625 par Grégoire XIII et fut classée au monument historique depuis 1920. Également dans la citadelle se trouve l'oratoire Saint-Antoine qui date du XVe siècle. Il participe encore aujourd'hui à la vie de la cité et je vous propose d'aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai le plaisir d'être avec Nicolas Bras qui est le prieur de la confrérie Saint-Antoine de Calvi. Nicolas, merci à toi de nous accueillir en ce lieu. Merci à toi. Donc, première question, qu'est-ce qu'une confrérie en Corse ? Bon, les confréries en Corse sont nées au Moyen-Âge, donc au XIIIe et au XIVe siècle, dans le vaste mouvement franciscain, puisqu'en Corse il y avait beaucoup de couvents franciscains. Donc ça a forgé l'esprit des confréries, à venir en aide aux nécessiteux, aux pauvres, aux étrangers. Ça c'est vraiment le fondement même de toutes les confréries en Corse. D'accord, et j'ai lu quelque part que donc, cette confrérie serait une des plus anciennes de Corse. Effectivement, oui, elle serait une des plus anciennes de Corse. Elle date du XIVe siècle, donc elle est une des plus anciennes de Corse. Alors tu es le prieur de la confrérie, qu'est-ce que c'est exactement ce rôle ? C'est un ordre hiérarchique qui... Si on fait le parallèle avec une association de type loi 1901, donc il y a un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, ben nous c'est la même chose. Donc nous ça se compose de cette façon, un prieur, il y a deux sous-prieurs, d'accord. Il y a un trésorier adjoint qui se fait seconder. Donc, on a un gouverneur qui porte le champ dans les manifestations liturgiques, dans les processions des messes. Et on a des massas, comme ça, qui sont un peu le lien entre le bureau et les confrères, et qui font vivre la confrérie, même plus que les autres confrères, hein, mais qui sont dans le bureau. Ok, ben Nicolas, je te remercie de nous avoir accueillis. Et puis nous, on va continuer la visite de Calvi. Allez, suivez-moi. Sur les hauteurs de Calvi se trouve la chapelle de Notre-Dame de la Serra. Elle a été édifiée en 1479. La statue est une représentation de la Vierge Marie et l'ensemble protège la cité de Calvi. Depuis 500 ans, un pèlerinage est réalisé par les Calvés et Calvaises. Soyons certains que cette protection va perdurer pour les siècles à venir. Au pied de la citadelle, dominant le port, se trouve la Tour du Sel. Construite en 1495 par les Génois, c'était une tour de guet qui servait également à entreposer le sel. Calvi demeurera une importante place forte de Corse au XVIe et XVIIe siècle. En 1756, les Génois font construire le fort Mozzello qui domine la ville. Entre 1756 et 1764, ils autorisent la France à occuper Calvi et en 1768, le traité de Versailles donnera l'administration de la Corse à la France. En 1794, Pascal Paoli essaie de prendre Calvi avec l'aide des Anglais. La ville résistera à un siège de 2 mois et passera sous pavillon anglais, et ce pendant 2 ans. Les conflits contemporains n'ont pas épargné Calvi. De nombreux Calvés sont tombés lors des 2 derniers conflits mondiaux. Un monument aux morts le rend hommage au pied de la citadelle. Il fêtera ses 100 ans en 2022 et j'aurai le plaisir de relater son histoire dans mon livre qui sortira à Calvi le 11 novembre 2022.
La Première Guerre mondiale marquera tragiquement la cité avec le naufrage du Balkan le 15 août 1918. Ce bateau quittait le continent pour venir sur Calvi avec à son bord 300 soldats en permission parmi les 519 passagers. Il fut torpillé au large de Calvi en amenant dans la mort 417 personnes. Un monument leur rend hommage sur la route de Porto. Ainsi s'achève cette vidéo sur l'histoire de Calvi. N'hésitez pas à venir dans cette cité si riche historiquement et d'une beauté si remarquable. Patrimoine, beauté, culture et dynamisme, voilà un quatuor qui lui va si bien. Merci de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour un prochain Cette Histoire.